Donc je suis un peu embêté parce que j'avais prévu avec Isaline, on avait discuté de cette matinée, et puis je me suis dit, bon voilà, après 4 conférences, des images montrées à tout le monde, on allait faire un peu autre chose, et puis on allait se mettre devant les objets, et puis voir tranquillement les objets autour d'une table. Mais hier, Marc m'a appelé pour des raisons logistiques, il m'a laissé un message en me disant qu'on serait à peu près 50-60, et là, c'était la catastrophe, je me suis dit, ça va pas être possible. Alors oui, ça va peut-être être possible après, dans un deuxième temps. Mais on va commencer peut-être par présenter quelques images plus générales, vous donner un peu l'idée de ce que sont ces reliefs, et après, si vous avez le temps, on fait une pause, et puis après, on peut être un petit groupe, on peut aller voir ces reliefs plus en détail. On a la chance de les avoir ici pendant quelques temps, donc on va profiter d'en parler. Je vais vous dire aussi que Marc m'a annoncé que j'allais parler de Saussure exclusivement. Et justement, je ne voulais pas parler de Saussure aujourd'hui. J'ai commencé à faire beaucoup de choses. Mais en fait, je voulais parler de Saussure à travers ces reliefs liés chacun du nom dans ses fabricants. Donc voilà, on va commencer comme ça, je pense. Après, on corrigera au fur et à mesure. Alors voilà, donc les reliefs et jaquettes. On a parlé de Saussure, donc Horace Bénédicte de Saussure, je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, c'est un peu la star du musée. Je vais peut-être rebondir sur ce qu'ont dit deux, trois de mes prédécesseurs. Pour revenir sur ce qu'a dit Quentin, le général Dufour a son billet de 20 francs, bah, Horace Bénédicte de Saussure aussi. Voilà, pas de raison. Il en avait aussi il y a quelques temps. Il a aussi un nom de rue à Genève, et il a aussi un nom de collège. Et c'est probablement comme ça qu'il est connu auprès des collégiens et des étudiants genevois. Parce qu'on vous dit Horace Bénédicte de Saussure, il n'y a plus personne qui sait qui c'est. Donc on vous dit c'est un nom de collège, en arrêt de bus pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'idées des arrêts de bus, parce qu'ils le confondent avec Colladon. Mais voilà, Horace Bénédicte de Saussure, ça ne dit plus rien à personne. Donc voilà, juste rapidement vous situer, hein, milieu du 18e siècle. Il est surtout connu, donc savant naturaliste genevois, il est surtout connu pour, parmi vous ici, les gens du club alpin, pour avoir réussi ce que beaucoup croient être la première ascension du Mont Blanc, et au fait qu'il n'était pas troisième, qui est déjà pas mal, à part ça, en 1787, hein, au mois d'août, avec une colonne d'une vingtaine de personnes, c'était presque une expédition himalayenne hein, à l'époque. Donc lui, il est monté au Mont Blanc, il avait un de ses guides, bien sûr, il avait plein de boys qui lui portaient ses bagages, c'était les guides de Chamonix. Pour vous dire un peu une idée, vous verrez un peu de Vincent à côté, il est monté avec son lit au sommet du Mont Blanc. Sa tente et son lit, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est un voyage de sa chemise de nuit, il est distrait détaillé de son matériel. Mais ça, c'est plutôt, c'est presque méchant, ironique ce qu'on dit là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a procédé à plein de mesures scientifiques. Le Mont Blanc, pour lui, était juste un espèce de chemin en plus dans sa quête scientifique des montagnes et des Alpes. Parce qu'au sommet du Mont Blanc, il a quand même procédé à mesures barométriques du Mont Blanc. Hein, et pour rebondir ce qu'a dit M. Rickenbacher, hein, il a trouvé une altitude de 4775 mètres, si on rapporte ça aujourd'hui. Ce qui est tout à fait remarquable par rapport au niveau du Mont Blanc, qui est 4808, 4810 mètres. Je ne sais jamais très bien aujourd'hui ce qu'il est attribué. Donc voilà, il a fait des mesures notamment de d'altitude au sommet du Mont Blanc, il a fait des mesures de température d'ébullition de l'eau, il a trouvé que l'eau bouillait à 80 degrés et pas à 100, ce qui est toujours un problème qu'on peut poser aujourd'hui aux étudiants quand on fait des visites à des écoles. Si vous faites bouillir de l'eau pour cuire des pâtes au sommet du Mont Blanc, parce qu'il faut plus de temps, moins de temps pour que les pâtes soient cuites. Donc ça fait pour beaucoup de, ça fait réfléchir pas mal de gens autour, mais il y a tous ces problèmes physiques qui se posaient déjà au temps de Saussure. Hein. C'est presque anecdotique, mais c'était quelque chose d'important à l'époque. Il a fait aussi, il a pu expérimenter les premiers syndromes dits au mal d'altitude quand il était en montagne, hein, au Mont Blanc. Il n'a pas pu réussir à faire toutes les mesures qu'il voulait faire, mais notamment il a quand même pris le temps de mesurer son pouls avec celui de ses collaborateurs et ses guides, et puis de comparer à ce qui était à Genève. Et puis il était trop fatigué après pour faire d'autres mesures, ce qui ne l'a pas empêché, une année après, d'aller à une altitude un petit peu plus décente, il était au col du Géant, qui est quand même à 3800 mètres à peu près, où il a passé, et ça c'est quand même un de ses grands faits d'armes, où il a passé presque plus que 15 jours en campement scientifique, c'est le premier du genre, pour étudier toutes sortes de paramètres en montagne, météorologiques, atmosphériques, barométriques, et j'en passe, et colorimétriques, atmosphériques, et j'en passe, et j'en passe. Et pour ça, Saussure, c'est vraiment un précurseur. C'est un des premiers qui a étudié un peu la montagne de manière scientifique, qui n'a pas eu peur d'y aller, qui a étudié la montagne comme une espèce de laboratoire naturel. Il a fait ses mesures, ses recherches. La montagne était vraiment son territoire et son laboratoire de prédilection. Son but de voir les montagnes, c'était quand même, il imaginait que les montagnes étaient le lieu idéal pour trouver des explications à ce que lui voulait vraiment faire lors de ses voyages dans les Alpes. Il voulait donner une explication à la formation de la Terre. Pour lui, les montagnes étaient vraiment l'endroit absolu rêvé, avec les failles, les vallées qui se coupent, les montagnes qu'on voit dans tous les sens.
qui était, on pouvait extrêmement bien lire l'origine et le passé de la Terre. Pour rebondir ce que dit M. Seziano aussi, pour les pierres du Niton et puis ces fameuses blocs de granit qui errent au gré des glaciers, Saussure, lui, n'a jamais réussi, il les a vus, hein, il les a décrits, il en a écrit plusieurs au sommet du Salève aussi, mais jamais il est arrivé à faire le lien entre ces glaciers qui avancent, qui reculent, et ces pierres granitiques qui sont portées au fil des glaciers. Il parlait toujours d'un espèce de déluge originel, d'un espèce de flot d'eau qui aurait recouvert toute la Terre à un moment donné, où les montagnes seraient libérées puis auraient charrié ces glaciers. Mais jamais, et pourtant il avait vu que les glaciers avançaient, reculaient, jamais il a fait ce lien ultime. Et ce qui fait peut-être un peu la consécration ultime pour Saussure, mais il est aussi mort aussi avant d'avoir achevé les dernières rédactions de son ouvrage qui voulait consacrer à la formation de la Terre. Donc il ne lui reste que ses voyages. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est en quelque sorte les produits dérivés de ce qui reste de Saussure. En quelque sorte, c'est un peu les premiers produits commerciaux, premiers kits touristiques qu'on pouvait acheter suite aux voyages, aux excursions de Saussure dans les Alpes. Ça, c'est en bout du relief du club alpin suisse. On voit ici, en rouge, tracé l'itinéraire de Saussure quand il arrive au sommet du Mont Blanc. Ce qui était quand même un peu la chose importante dans ces reliefs. Je reviendrai là-dessus. Juste pour contextualiser un petit peu rapidement, je vais vous parler de Charles-François Chartier, qui est un peu celui qui a fabriqué les reliefs, qui est considéré comme un des pères fondateurs des reliefs, des figures mythiques, comme M. Pfiffer qui a fait le relief là, des quatre cantons, et l'Argovien qui a fait le relief des Alpes, j'oublie le nom, Müller, je crois. Müller, voilà, exactement. Et c'est une époque où ces gens, ils ont fait des reliefs à partir de rien, en quelque sorte. Il n'y avait pas de carte géographique qui leur permettait de faire des reliefs. Au milieu du 19e siècle, c'est devenu plus facile. On avait les premières cartes géographiques avec des cotes de niveau, des cotes altimétriques, et on pouvait, par des procédés mécaniques, faire des reliefs beaucoup plus facilement. Mais à l'époque, là, les Exchaquet, les Müller, les Pfiffer, ils ont dû faire à partir de rien. Et on verra que c'était tout un art de faire ce genre de choses. D'employer rapidement donc, ce Exchaquet, c'est le petit relief qui est ici en bas, le relief du Club Alpin Suisse, gracieusement prêté par le Club Alpin Suisse, qui est peut-être un des seuls originales qui reste, qui est vraiment, vous le verrez après, je suis désolé, hein, je ne vais pas vous le sortir, qui montre vraiment ce magnifique massif du Mont Blanc, d'après les balades de Saussure. Charles-François Exchaquet, qui sait ses reliefs sont attribués, bien qu'il ne les ait jamais signés. C'est un géologue né dans le canton de Vaud, mais vraiment à l'époque, bien sûr. Et surtout, ce qu'il a fait, donc il a étudié la géologie en Allemagne, et il a passé assez mystérieux. Et il s'est retrouvé en 1780 à diriger les mines à Cervaux, donc dans la vallée de Chamonix, après Salanches, juste avant de monter sur Chamonix. Il dirigeait les mines là-bas, et à cette occasion, il a eu l'occasion de faire beaucoup d'excursions en montagne. Et lorsque Saussure va dans la vallée de Chamonix, il découvre cette vallée, il fait souvent appel à ce Charles-François Exchaquet pour avoir des itinéraires, notamment pour aller au sommet du Buet. C'est lui qui conseille un petit peu Saussure. Et lorsque Saussure veut établir son campement scientifique, c'est lui qui va dire à Saussure « il faut te mettre au col du Géant, c'est un super endroit ». Parce que Exchaquet, lui, avait réussi justement à faire la traversée Chamonix-Courmayeur pour ce col du Géant à une ou deux reprises précédemment. Et c'est lui qui va donner un peu les conseils techniques et pratiques à Saussure pour qu'il puisse s'établir là-bas. Et on verra après, sur Exchaquet, il a fait plusieurs autres choses parce qu'il avait la suite dans les idées. Ce n'était pas seulement un scientifique, mais c'est dit qu'il allait exploiter au mieux les découvertes de CO2 de Saussure pour en faire plein de petits produits dérivés. Alors voilà, les Alpes, on a parlé de l'image des Alpes. Ça, c'est une carte qui est tirée d'un ouvrage de Martel, qui est un géomètre genevois exilé à Londres pour d'obscures raisons au début du 18e siècle. Il a fait notamment une des premières excursions au Mont Blanc depuis Genève. Parce qu'il fallait quand même se dire qu'à l'époque, le Mont Blanc, c'était vraiment une terre inconnue. On n'y allait pas beaucoup. Il y avait des gens qui habitaient Chamonix. C'était des bergers, des chercheurs de cristaux dans les montagnes, des pêtres, des pâtres et des bergers. Mais on évitait d'aller dans les montagnes. Le Mont Blanc, d'ailleurs, était appelé à l'époque Mont Maudit, à juste titre. Parce qu'on s'est dit que pour habiter au pied du Mont Blanc, au pied du Mont Maudit, il fallait bien être maudit par les dieux. Parce qu'on avait bien cherché d'aller habiter dans un endroit perdu comme ça. Donc il y avait très peu de cartes précises. Et Tone Martel commence à naître un petit intérêt sur les Alpes. Donc, il y a eu monsieur qui m'a parlé de Scheucher, aussi le médecin suisse-allemand, qui lui décrivait encore les Alpes avec des dragons velus qui faisaient peur aux paysans. Mais là, 1700, au début du 18e siècle, un petit frémissement, et Martel notamment, amène les Anglais, les premiers Anglais, dans les glacières de Chamonix. Et on voit ici la description de la vallée de Chamonix. Très rudimentaire depuis Genève, on suivait le cours de l'art, tout à fait normal. Mais voilà à quoi ça ressemblait un petit peu cette description.
Et la carte de Martel, vous la voyez, elle est là derrière aussi, un peu plus grande, dans la vitrine là derrière. Martel en profite aussi pour décrire les animaux qu'on voyait dans ces montagnes, hein, parce que personne ne savait qu'il y avait des chamois à l'époque, à part ceux qui galetaient. Donc, carte très rudimentaire. Suivi après tout, on a parlé de Marc-Auguste Pictet aussi. Marc-Auguste Pictet, professeur de physique expérimentale, élève de Saussure, voyage avec Saussure dans les Alpes dans un de ses nombreux voyages, et lui dresse une des premières cartes, plus ou moins, enfin précise, c'est toujours beaucoup lié, avec le relief, les vallées, tout ce genre de choses, très bien détaillées. Il se trompe à pas mal d'endroits, il y a des glaciers qui sont beaucoup trop grands par rapport à ce qu'ils sont vraiment. Il n'a pas eu le temps d'aller sur les montagnes, mais d'un moment il fait une description qui peut. Il se mettait au pied des vallées, puis il faisait des mesures barymétriques, voire géométriques de ces Alpes. Il y a des choses qui sont un tout petit peu exagérées, mais voilà une carte plus ou moins précise. Voilà un peu l'outil que Saussure utilisait aussi quand il voyageait dans ces Alpes. Carte Chopi, une des premières cartes faites par Topographie à Genève. Le lac est très bien représenté ici, les montagnes, comme a dit M. Lévillet, sont super bien représentées aussi. Par contre, ça se gâte quand on est au niveau ici de Chamonix. On voit les glacières qui étaient en quelque sorte ce qu'on appelait aujourd'hui le Mont Blanc et la mer de glace, mais le problème c'est que Chamonix se trouve de ce côté. Et pourtant c'est une carte topographique, tout est juste, hein, les Alpes, le lac Léman est parfaitement en forme, les proportions sont très bien gardées, mais par contre ici, le cartographe s'est complètement laissé aller, il n'a pas su quoi faire, donc il a mis Chamonix au sud du Mont Blanc. Alors arrive Charles-François Jacquet, donc lui il dirige cette fonderie, ses mines à Cerveau, et lui va établir une carte en 1785 même, elle sera publiée en 1790. Il fait une des premières cartes, on voit très bien ici, mais du massif du Mont Blanc, qui est très intéressante parce qu'au fait, il a aussi un peu colorié les pentes nord de ces montagnes. On voit Genève ici, on voit le pays Vaud, puis on voit toutes ces montagnes un petit peu en profil, le massif du Mont Blanc ici, puis on voit une espèce, enfin une première un peu indication du relief, de la topographie de ces montagnes. Et cette carte, elle va figurer plusieurs fois dans l'espèce de kit que Charles-François Jacquet va après mettre en vente, à côté de son relief. Ça va être un peu la vision, la version en 2D de son plan relief. Alors voilà, parlons de ces reliefs. Donc en 1787, Saussure monte sur le Mont Blanc. Énorme retentissement. Les Alines vous a dit avant qu'il avait pu faire sa promotion, Saussure très bien. Il a écrit ses voyages dans les Alpes, il y a des nombreux articles dans la presse, dans les journaux d'époque. C'est devenu vraiment, ça suscite un énorme engouement pour les Alpes et pour le Mont Blanc dans toute l'Europe. Les Anglais commencent à déferler, on construit des auberges et des hôtels à Chamonix. À l'époque, Saussure habitait chez le curé aux premières excursions. À la fin, il y a déjà 3 hôtels à Chamonix, enfin ça va très très vite. Et Charles-François Jacquet, en 1787, il fait paraître une pub dans le. On va dire, on va dire, c'est une publicité, c'est une annonce dans le journal de Lausanne, comme quoi il a mis en vente des reliefs représentant justement la vallée de Chamonix. Ouais, ici cet énorme relief, en fait en voilerolles, peint, où tout est très bien représenté, où les itinéraires de Saussure sont représentés en rouge, où les chemins pédestres sont représentés en blanc. Il en fait de plusieurs tailles de ces reliefs. Alors, en grand, un des plus grands qui reste aujourd'hui est conservé dans un magnifique musée à côté d'Amsterdam, d'une petite ville qui s'appelle Haarlem, qui s'appelle le Tylers Museum, qui est un espèce de musée construit par un de ces riches marchands négociants hollandais à la fin du XVIIIe siècle. Et parmi ses premières pièces qu'il a acquises dans son musée, qui est une espèce de palais absolument splendide, il a envoyé un de ses émissaires, un de ses amis qui est dans les premiers conservateurs de son musée, aller en Europe, aller voir Charles-François Jacquet et lui acheter un de ses reliefs. Donc un des premiers reliefs est arrivé aujourd'hui dans ce musée, au Haarlem Museum. Il est exposé dans une pièce qu'on ne voit pas très bien ici, mais c'est une magnifique pièce ovale, à côté d'un autre caillou qui s'appelle le Top of the Mont Blanc, que Saussure aurait ramassé devant les derniers rochers accessibles par couvert de neige lorsqu'il est monté au sommet du Mont Blanc. Donc ces Hollandais ont payé une fortune pour ramener ces deux pièces à Haarlem, Hollande, et où ils l'ont exposé depuis aujourd'hui. Il a fait l'objet d'une superbe restauration, hein, donc ouais, il a été tout refait, mais bon, tout ça sculpté dans le bois d'Arolle, absolument magnifique. Il est à côté de ce relief, il y a la description, ce qui est assez intéressant, hein, il met une espèce de mode d'emploi comment il a fait ce relief, ce Charles-François Jacquet, donc à l'époque pas théodolite, ça ne servait à rien dans les montagnes, parce qu'il s'est dit, plein de ces régions sont inaccessibles, de toute façon y aller à pied c'est pas possible, quand on fait des mesures, même barométriques c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas aller au sommet des montagnes, donc la plupart de ces reliefs ont été fabriqués à la planchette et à la réglette. On vise, on reporte directement l'angle de visée sur une carte, on reporte l'opération, on se met à des endroits différents. Pour les vallées, la direction des vallées, on s'aide d'une boussole.
Et puis encore aller ailleurs, en niveau, à haut, pour tracer les reliefs, comme a dit M. Kilmacher quand il parlait de Michel Ducret. Donc en mode d'emploi très détaillé, et puis après, ce qui est intéressant aussi, il y a toute la liste. Donc ça, ça concerne évidemment le relief du Thalers Museum, il y a tous les descriptifs, il y a des petits numéros qui sont collés sur ces reliefs, et puis bon, on ne va pas faire tout le détail, hein, mais ça dit vraiment toute cette toute la nomenclature, la toponymie de cette région du Mont Blanc, il est parfaitement écrit. On arrive après le relief du club alpin suisse, qui heureusement est aujourd'hui, avec celui des Hollandais, je pense, un des seuls reliefs qui peut être attribué pour sûr à Charles-François Etchaquet, parce qu'en plus, quand il le décrit, Charles-François Etchaquet, il dit bien qu'il se concentre uniquement sur la vallée de Chamonix, qui est en contenu en quelque sorte entre les Houches à l'entrée de la vallée, et le col de Balme qui se trouve un peu à la sortie, le massif du Mont Blanc au sud, et puis la chaîne du Brévent au nord. Et fait rien d'autre, et ça, c'est une vision assez... Donc le relief du... Ben, il est là, le relief du club alpin suisse, vous le verrez. Petite boîte de 50 sur 60 cm. Mais ben voilà, hein. Il y a toujours ce problème dans les reliefs, c'est que tout a l'air un petit peu faussé. Et effectivement, quand on refait des mesures, je me suis amusé à faire 2-3 mesures d'échelle. Alors l'échelle horizontale, hein, quand vous prenez des distances horizontales, ça vous fait à peu près une échelle de 50 000. Puis quand vous faites une échelle verticale, vous avez 30 000. Donc les montagnes ont l'air beaucoup plus hautes qu'elles ne sont vraiment. Si vous devez vous mettre dans le relief, vous avez vraiment l'impression que le Mont Blanc vous arrive droit dans la figure. Ce qui est effectivement pas tout à fait le cas au-delà. Mais magnifiquement, voilà, super état ce relief. Les étiquettes sont collées, il manque quelques étiquettes d'origine encore. Mais vraiment une super pièce, donc attribuée avec chacun. Également, la petite description avec, mais beaucoup moins bien écrite que le relief des Hollandais. Et puis, vous verrez aussi dans un cadre ici, le descriptif, ce qui est assez rare, hein, parce que les autres reliefs qu'on a ici n'ont plus le descriptif des numéros qui sont rapportés. Donc il faut un peu faire de la fantaisie pour les retrouver. Autre relief, c'est celui qui a été gracieusement prêté par la famille Saussure, que eux attribuent, à mon avis, à tort, à Charles-François Etchaquet. Parce que déjà, vous voyez que la région couverte ne coïncide pas avec celle qu'Etchaquet voulait. Et Etchaquet s'est dit uniquement cette région-là, cette chaîne de montagne ici. Donc le relief de Saussure, il va derrière, il va à Courmayeur, il va à Trèves. Il va à Valferret, Valbéni, le col du Bonhomme par ici. On voit même Martigny, Orcière, Saint-Branchet. Donc c'est une région beaucoup plus vaste. Et en plus, il n'est pas fait en bois, comme ont été faits les premiers, mais celui-là, il est fait vraiment en... Lui, je crois qu'il est fait en plâtre. Ce qui était un peu la marque de fabrique des reliefs qui sont faits ultérieurement. Et probablement, et là on n'en est pas sûr parce que rien n'est signé de tout ça, il y a quand même des indications qu'il ait été fabriqué par un élève à Etchaquet, qui s'appelait Jean-Baptiste III. Qui aurait été aussi un petit peu jamais géologue, exilé à Londres, et on retrouve des informations comme quoi il tenait une boutique à Soho, à quartier de Londres, dans lequel il fabriquait des reliefs et toutes sortes d'espèces de dioramas, de montagnes, de vallées, de villages, de villes européennes. Et celui-là pourrait effectivement être l'œuvre de cet élève de Etchaquet. Mais voilà, très joli modèle aussi, beaucoup plus rudimentaire, vous verrez, mais également une petite distorsion dans les échelles. Hein. Échelle horizontale 70 000, hein, c'est une région assez vaste. Et puis 50 000 pour les montagnes. On a l'impression que les montagnes sont un petit peu moins élevées, mais ça reste quand même un petit peu foncé. Ensuite, ce qu'il a fait, notre ami Charles-François Etchaquet, quand il a fait son relief en 1787, ça commençait à marcher plutôt bien. Il en a fait des tailles différentes. On voit le relief du club alpin, le relief hollandais. Et puis après, il s'est encore mis en affaire avec un graveur de Bâle qui s'appelle Melchel. Qui était en quelque sorte aujourd'hui, on appelle ça à faire appel à un graphiste. Hein. Et il a fait cette super vision, une espèce d'estampe enluminée de la vallée de Chamonix, mais faite d'après le relief. Donc ce Michel n'a jamais été dans les Alpes, mais il a copié un de ses reliefs. Et cette gravure qu'on voit ici aussi, hein, elle est exposée ici, accompagnait ces reliefs. Donc on pouvait acheter le kit, le relief, la gravure enluminée. Après, il a rajouté même d'autres choses. Donc c'était une espèce de promotion en plus. Puis dernier relief, c'est celui qu'on a du musée. Donc on l'a retrouvé un peu à l'abandon dans les caves du muséum, dans un très mauvais état. On l'a ressorti il y a quelques temps, on lui a fait une rapide restauration. Et celui-là aussi est un relief très étonnant, hein, parce qu'il y a évidemment il y a Chamonix, il y a la chaîne du Brévent, les montagnes sont très bien décrites aussi. Mais il est très très grand. Il fait plus d'un mètre de long, quasiment 1,20 m de long, et vous le verrez dans la pièce à côté. Et celui-là, encore plus étonnant, il est fait en papier mâché. Donc il a l'air très mastoc, et au fait, il est très léger, c'est comme une espèce de sagex tout mou.
voilà, il est exposé pour l'instant. Il faut une fois qu'on procède à une bonne restauration, il y a plein de ces petites étiquettes, des numéros qui sont tombés. Il y a bien sûr toutes les légendes originelles, donc il fallait faire un peu le... On a refait un petit peu le, les légendes d'après ce qu'on savait de nos montagnes. Il y a les itinéraires de Saussure qui sont tracés aussi. Il n'y a pas seulement le premier itinéraire de montée, aussi la tentative que Saussure avait fait une année précédente. Très bel état aussi, mais beau relief. Et aujourd'hui, c'est quasiment les trois reliefs, quatre reliefs connus du massif du Mont Blanc. Deux sont pour sûr attribués à Ekshaket, puis les autres, ma foi, on ne sait toujours pas qui sont. Mais juste pour finir un petit peu encore avec Ekshaket, ça je profite de la communication aussi pour faire une demande à Quentin. Voilà, le relief de Saussure, je vais devoir le rendre pour des raisons de conservation. Mais si je pouvais emprunter par la suite le relief du Gothard qui se trouve en ce moment chez vous, là, au Club Alpin, parce qu'on n'avait pas de place ici, et on pouvait faire toute une chose avec Ekshaket cette fois-ci. Ekshaket a fait, après le massif du Mont Blanc, il a fait avec deux collègues à lui, Vaudois, il s'est lancé dans la fabrication d'un massif du relief du Gothard, exactement de la même nature que celui du Mont Blanc. Magnifique état. Chaque village est représenté par des petites maisons, c'est vraiment une petite maquette toute bijou. Les Alpes, bon, c'est peint, les sommets, les glaciers sont représentés par des petits cristaux de glace collés et peints légèrement. On fait la différence entre les glaciers et les cours d'eau. C'est vraiment des super miniatures. Il est un magnifique état chez vous d'ailleurs aussi, hein, il est superbe. Et au fait, Ekshaket, il avait l'idée de le faire aussi dans une but promotionnelle, parce qu'il a fait en même temps, et ce qu'il voulait faire aussi pour le Mont Blanc, mais ce qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a pas eu le temps de faire, carte pétrographique, parce qu'au fait, après, il vendait ses reliefs avec une carte pétrographique de la région du Gothard ici. Et puis, il y a des zones qui sont marquées, vous ne voyez pas très bien ici, les différents minéraux qu'on pourrait y rencontrer. Et en plus, on achetait avec ces deux documents en une collection de 90, bah, lui appelait ça des cailloux, hein, cailloux prélevés dans les massifs du Gothard typiques de la région. Donc, vous pouvez acheter le kit de cailloux, vous pouvez acheter cette carte, le relief. Et puis, si ça vous chantait encore, il y a moi pour y acheter aussi, c'est ces fameuses gravures pour le massif du Mont Blanc, en tout cas qui représentait Saussure qui montait au sommet du Mont Blanc. Vous pouviez tout avoir le kit, la montée, la descente, tout ça pour le modique prix, je ne sais plus quel prix c'était, mais c'était quelque chose assez conséquent pour l'époque. Mais voilà, aujourd'hui il ne reste plus grand chose. Il reste ces trois reliefs. Je ne désespère pas d'en retrouver d'autres parce que je sais que dans les caves du musée, il n'y a pas 2-3 trésors de reliefs qui existent. Et puis pour rebondir encore sur ce qu'a dit Marc, qui nous a lancé, tu as parlé du relief qui était au jardin anglais. C'était pas celui-là? En fait, c'était pas. Non, alors c'est pas celui-là, parce que celui du massif du jardin anglais, il faisait quasiment 9 mètres sur 10. C'est ce que j'avais comme impression. Et celui, il a été construit dans les années 1850, donc probablement fait avec des procédés beaucoup plus mécaniques. J'ai oublié le nom de celui qui l'a fait. Et puis, il a été honteusement, il a disparu dans l'indifférence générale au début du XXe siècle. Et pour ceux que ça intéresse, il y aura une communication ici lors des journées du patrimoine pour un historien qui s'appelle, je crois, M. Ripoli, historien de l'art, qui va parler plus spécialement de ce relief. Je ne le connaissais pas, effectivement, comme Marc m'en a parlé, j'étais tout étonné. Mais en fait, ce relief a juste dû être démonté et puis désossé, et il n'en existe plus grand-chose aujourd'hui. Et c'est souvent le problème de ces reliefs, parce que c'est tellement volumineux qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils en font, puis ils les cassent à la main. Voilà, merci de votre attention, puis si jamais après... Ce que j'aimerais dire encore, que j'ai oublié de vous mentionner au début, c'est que tout ceci s'inscrit dans des liens d'amitié, évidemment, et en premier, mais aussi, ensuite un petit peu aussi dans des liens de programmation par rapport à ce que nous faisons au musée. Et nous avons depuis quelques mois maintenant une exposition juste au-dessus de nous sur la topographie. Et c'est aussi dans ce cadre-là que sont présentés les fameux reliefs dont Stéphane nous a pris à en parler, et que nous avions envie de parler de topographie. Cette exposition, bien sûr, est ouverte tous les jours, gratuite, sauf le mardi, mais si on peut s'arranger pour le mardi s'il faut. Et je vous invite évidemment à la visiter. Wow. Il y a différentes activités qui sont associées, vous avez le programme à l'entrée, et c'est très bien. Faisons de la promotion pour les journées du patrimoine, qui s'intéressent plutôt au parc, dans lequel nous participons, et nous accueillerons le samedi des journées du patrimoine deux conférences, dont l'une sur ce fameux web. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais oublié de dire avant ou que j'avais envie de vous dire maintenant. Un immense merci, et puis pour ceux que ça intéresse, la promenade continue juste au sous-sol. Alors juste avant, parce que comme je profite que ma femme n'est pas là, j'essaie d'avoir toujours le dernier mot ici ou derrière. Moi j'aimerais remercier du fond du cœur tous les orateurs qui sont venus, mais on
on avait des orateurs de qualité, merci beaucoup, et dont certains qui sont venus de très loin, et en plus avec des cadeaux. J'aimerais remercier le Musée d'Histoire des Sciences qui non seulement nous a offert le petit déjeuner tout à l'heure avec le café, la pièce tout à l'heure et qui nous accueille ici, c'est vraiment charmant. On est déjà venu ici pour parler de Coladon, vous pouvez retrouver sur notre site la présentation de Stéphane Fischer sur Coladon. Donc voilà, merci à tous. Merci. Merci.